Bonjour tout le monde, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Mon dernier stream sur la chaîne avant que je prenne une pause, donc un petit peu de vacances et beaucoup de travail en off avant de revenir fin août, début septembre. Pour vous, YouTube, la VOD, ça changera rien parce que cette vidéo-là est prévue à sortir en VOD fin août, début septembre en fait. Donc pour vous, ça changera rien. Mais pour Twitch, il va y avoir une pause. Bon, il serait temps de terminer la petite aventure New Super Mario U Deluxe. Bros U même. Tac. Je regarde si tout est bon. Tout est bon. Il restait le monde du château de Peach, entouré par de la lave, Bowser et compagnie. Je rappelle que je ne fais pas le 100% pour le moment. Je me consacre à l'histoire. Le 100%, peut-être que ça arrivera à la rentrée. On verra. Avec d'autres choses. Parce qu'entre-temps, j'ai vu des informations et j'ai fait « Ok, ça, on le fait à la rentrée. » Mais je vous dis rien, vous le saurez à ce moment venu. Voilà. On va faire ça. Sachant que juste après, là, en Twitch, il y aura du Pokémon Unite quand même, hein, bien sûr. Et voilà. On y va? Let's go! Revois la cinématique. Allez, go. Alors, petit L, la carte, il y a 1, 2, 3. Pour l'instant, je vois 3 niveaux. Mais à mon avis, il y en a plus, hein, bien sûr. On verra ça après. Je ne vais pas chercher pour l'instant les bonus. Ciel de cendre. Comme ça au moins on verra si le niveau passe ou pas. Bonjour guys. Bonjour, hey. Salut à toi. Par contre là ça craint en fait. Il y a une pluie de... Oh non, je suis sûr que c'est un truc. Ça tape son meilleur Mario Bros. Ah c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Yes, ça passe. Pourquoi il y a ça là? Mais ouais, c'était une aventure intéressante quand même. Et j'ai cherché une aventure en plusieurs chapitres avant de prendre des vacances. Et je me suis dit, bon, quitte à faire un truc un peu pépère, un peu chill, Mario. Source sûre, valeur sûre, Mario. Non, ma fleur! Et il est vénère niveau en fait. Hop là. Qu'est-ce que tu dis? Le meilleur c'est New Super Mario Bros. DS. Je sais pas, sur DS, je n'ai pas fait beaucoup des Mario. J'ai, en termes de Mario 2D, j'ai un coup de cœur qui restera imbattable. C'est Mario premier du nom, hein, tout simplement. Quand il y a eu Mario 35, j'étais aux anges, j'étais vraiment ravi, j'ai adoré. Mais en même temps, c'est mon tout premier jeu vidéo sur lequel j'ai commencé à jouer. Ça remonte maintenant, hein. Ça fait très longtemps. Enfin, on va pas dire la date. Donc voilà, ça reste un coup de cœur. Après sinon, j'aime beaucoup Super Mario World, qui se rapproche, dont cet épisode-là, U, se rapproche vraiment beaucoup de World. Hop là. Sinon, il y a Mario 3D. J'aime beaucoup les Mario 3D. Mario 64 restera mon préféré, et de loin. Et pareil, j'ai passé des heures dessus à faire plusieurs fois l'aventure. J'ai bien aimé Sunshine. J'ai pas fait les galaxies parce que la technologie me dérangeait. Mais je les ferai sûrement... plus tard, mais sur la version Switch, avec la version 3D All-Star. Et j'ai eu un énorme coup de cœur par contre sur Super Mario Odyssey. Il est génial. Et j'espère qu'il y aura un Mario Odyssey 2. Si vraiment il vaut le coup.
Non, pop, pop, la plateforme. C'est difficile. World était vraiment cool. Ouais. Ouais, ouais. Mais non, mais... Ah, 2 pixels, quoi. Galaxy 1 était une pépite de storytelling et le 2 un énorme boost de gameplay. Ouais, ouais, j'en doute pas. C'est juste que je sais pas, moi j'ai pas accroché à ce moment-là tout ce qui était pseudo 3D, aller dans tous les sens, tête en haut, tête en bas, ça me donnait vite le tournis. Mais c'est peut-être avec la technologie d'alors et sur les télés à ce moment-là. Mais je pense que sur la version Switch, oui, il y a des chances que ça arrive. En tout cas en stream ici. Parce que enfin, j'aimerais bien les faire, quoi. C'est des Mario que j'ai jamais fait, les Galaxy. Et étant Nintendo fanboy, Mario fanboy, oui, clairement, il va falloir que je les fasse à un moment donné. Hop là. Mais je devrais peut-être prendre des bonus, non? En fait, parce que je perds là, comme ça, à l'arrache, mais... Ah, mais j'étais déjà à la moitié du niveau, d'accord, ok. Zut. On saute. Après, ça serait bien que je fasse des Zelda aussi. En stream, j'en ai jamais fait. Il y en a jamais eu sur la chaîne, d'ailleurs, même avec mes camarades. Parce que je rappelle qu'Iva Sans Studio, c'est une asso, hein. Je suis pas tout seul. Hop là. Je pense que à la saison prochaine, il y aura du Zelda Link's Awakening, version Switch, très sûrement. Je l'avais déjà fait pour moi tout seul. Mais ça peut être intéressant à refaire. Et entre guillemets, le Zelda Switch qui est sorti il y a quelques jours en juillet là. Skyward Sword, je sais jamais dire. Ce serait bien qu'on passe en stream aussi. Je l'ai jamais fait lui par contre, même sur sa version d'origine. Wow, ça craint là. Comme j'ai... Ah punaise. Quand la Switch est sortie, je l'avais acheté Day One, et donc le Zelda Breath of the Wild aussi. Et au final, Zelda Breath of the Wild, j'ai beaucoup aimé regarder, mais pas forcément y jouer en fait. Pour le peu que j'ai joué à Zelda Breath of the Wild, pour vous dire, j'ai fait une heure de jeu peut-être, j'ai fait le tuto, je suis arrivé jusqu'à la grande église là, ou la cathédrale, je sais pas ce que c'est, et je me suis arrêté là. Parce que j'ai trouvé un point de vue magnifique, et je me suis dit, oh c'est beau, j'ai arrêté là. J'ai préféré voir quelqu'un d'autre y jouer. Mais ce serait intéressant à faire aussi. Ah bon. Il y a tellement de choses prévues pour la saison prochaine. Ah non. Tempête d'Ilia. Temple d'Ilia. Temple d'Ilia, voilà, c'est ça. Exactement. Oui, un temple. Pourquoi je dis autre chose? Moi, c'est juste un temple, en fait. Je suis nul, hein, aujourd'hui, là. Ça se voit que c'est les vacances après, hein. Bon, hop là. On va y arriver. Donc ouais, les vacances, entre guillemets les vacances. Je m'absente surtout la semaine prochaine et la suivante. Mais c'est pas possible pour passer du temps en famille notamment et avec des amis. Mais il y aura beaucoup de boulot en off en août, vraiment beaucoup d'écriture, d'administratif. D'écriture surtout, de recherche, de documentation, etc., etc., pour bien préparer la saison qui arrive. Alors, en stream, certes, mais pas que en stream, parce que les ateliers de l'asso vont reprendre si le Covid, entre guillemets, n'accélère pas plus que ça, hein, bien sûr. On aimerait bien reprendre les activités de l'asso quand même, à un moment donné, et donc vivre, au passage. Parce que c'est pas les streams qui font vivre l'asso, hein. Certainement pas. On aimerait bien. On aimerait bien. Hop là. Donc pas mal d'écriture, de recherche, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire qu'il y aura sur les médias Iva Sans, donc sur Twitch et YouTube la saison prochaine. Pour vous teaser un peu. Il y aura. Hop là, ça j'arrive à faire. Sûr et certain. Du New Pokémon Snap. Parce que il y a une grosse mise à jour qui arrive début août. Et ça me fout les boules, parce que je pense avoir terminé le jeu, et Nintendo et Pokémon Company ont dit
Et non, si on vous rajoutait du contenu gratuit. Bon, bah, du coup, retour de New Pokémon Snap fin août, début septembre. Il y aura très sûrement la recherche du 100% de ce jeu-là actuellement, New Super Mario Bros. U Deluxe. Ça, c'est clair. Si, bien sûr, entre-temps, j'ai augmenté en skill, ça, c'est pas gagné. Il y aura, en décembre prochain, parce qu'en fait, le calendrier de certaines choses, en tout cas des jeux AAA, est déjà presque fait. Du moins, des axes. Donc, en décembre, Mario Sunshine. En février, Spyro 2. En fait, c'est sur les 1 an à chaque fois de l'aventure précédente. Mario 64, c'était en décembre dernier. Donc, Mario Sunshine, en décembre prochain. Spyro 1, c'était en février dernier. Du coup, Spyro 2, en février prochain. Crash Bandicoot, qui était une horreur à jouer, en fait. C'était en juin. Du coup, Crash Bandicoot 2 en juin prochain. Plus les jeux qui vont sortir entre temps. Je pense qu'il y aura très certainement du Pokémon Perle, je sais plus quoi, à l'automne. Qui sort, enfin, ou qui ressort du moins. Le Pokémon médiéval en janvier. Il y a des chances qu'on le retrouve en Steam aussi. Hop là. La médiévale. Japonais médiéval. Et l'été prochain, on a déjà commencé à bosser dessus. Pour l'été prochain, sûr et certain, il va y avoir des choses IRL. Le défi vélo. On va le filmer. Alors si on fait du direct, ça serait le rêve. Mais en vrai, je pense pas que ça puisse être réalisable avec nos moyens. Mais ça sera filmé quand même. Du coup, il y aura des diffusions Twitch en décalé. Et bien sûr YouTube, avec des jolis reportages, on va essayer autour de l'histoire, du patrimoine, de la culture, autour du canal du Midi et des villes environnantes. Et on va faire le canal du Midi à vélo et un peu plus. On s'est dit tant qu'à faire, on va faire un peu plus. Ça se prépare bien en tout cas. Hop là. Hop là. On arrive à la fin ? Ah, c'est pas trop tôt. Avec bien sûr d'autres programmes qui arriveront tout le long de l'année. Mais ça, je vous en dis pas plus parce que s'il y a des surprises, il faut quand même garder des surprises. Je lis le chat. Pardon, j'étais concentré à ne pas perdre. Temple d'Ilia, c'était aussi le temple dans Ocarina of Time. D'accord. Bonjour. Et bonjour Yakipon. Légende Arceus. Oui, voilà, c'était celui-là le Pokémon que je parlais. Pourquoi je reclique sur le même niveau ? Et vraiment, vivement ce soir quoi. Bon. Je prends le champignon alors que je veux quand même... bon, je fais n'importe quoi là. Concentration. La fatigue d'un homme. Un petit peu, ouais. Allez, niveau suivant. On va y arriver, hein. On va y arriver. Bien, nouveau niveau, normal. Oh non. Non, pas la fumée de Lost. Non. Ceux qui ont la ref. Qu'est-ce que c'est ? Top. Oh punaise, d'accord, ok, d'accord, ok, j'ai compris. Il faut pas qu'il y ait beaucoup de passagers. Ok. Distanciation sociale sur le transport en commun. Mais c'est quoi tout ça? Mais non! Mais c'est de la triche! Non! Mais cassez-vous! Au secours! Je me souvenais pas de ça! Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là ! Lost se navet. Non, les trois premières saisons, ça allait. C'est après que c'est parti en cacahuète. On n'a jamais rien compris à pourquoi c'est parti en cacahuète. Mais d'où ça tombe du toit, là? Je me fais... Ok, bon, j'ai perdu, hein, clairement. Il y a lui qui va tomber, là. Voilà.
Non, non, on va pas faire ça, non. Je l'ai vu, le bouton et tous les champignons, là. Pardon, excusez-moi, je passe. Champignons, vite. Topi-top, on se calme, hein. Attention, je passe. Oh, punaise, il y a deux monstres de lave. On va aller par là. Hop là. C'est bon, c'est fini. Mais comment on l'a? Il y a une sortie alternative, c'est ça? Ah non. C'était juste pour être très rapide, en fait. Et la fumée de l'os, le retour. La fumée qui a servi à rien, au final. Bon, c'est pas grave. Hop là. Et non. Hop là, voilà. J'avoue, Endless était... Oh, elle a servi à rien. Vu que le truc avance tout seul, qu'ils allaient à la même vitesse, la brume n'a jamais rattrapé. Donc je vois pas l'intérêt de la brume, là, en fait. À la limite... Non, en fait, il n'y a pas de limite, je vois pas. Je comprends pas. Je sais pas. No C, comme dans Tintin, ceux qui ont la référence. Wow, la lave. Ah, le retour de l'écrou. Je l'ai comment, cette pièce-là, en fait? On y réfléchira une autre fois. Pardon, je passe. Il y a quoi en dessous? Rien d'intéressant, d'accord. Ne pas tourner de suite, ne pas tourner de suite, maintenant. Hop là. On attend. On attend. On va attendre encore un peu, en fait. Pour le bouton avec la pièce que tu n'as pas prise. Ah bon? La brume sert à compliquer l'obtention des grandes pièces. D'accord, donc pour le 100%. Nope, hop. Hop là. Je lance des boules de feu dans la lave. Parce que je suis un thug. Non, en fait, ça passe ici, ça va. YOLO, sauter. Oh. Il y a un truc en bas. Pourquoi il y a un passage en bas spécifique là? Je regarde. Bah oui, bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? On le tente ou pas? Parce qu'en vrai, comment ça monte? Elle monte comment là, le truc? Faut tracer à mort. Ok, maintenant. YOLO. Ok, ça fonctionne pas. Bon, je suis pas assez rapide. J'ai voulu tenter et ça a pas passé. Bon, j'ai pris le drapeau, je crois, de toute façon. Il me semble. Bon, on va pas recommencer des bêtises. Ça, c'était une très mauvaise idée, ça. Ça aussi. Ok. Est-ce que la carapace va disparaître? C'est ça la question. D'aller chercher des bonus ou pas? Non. Là, il y a quoi ici? Une vie, je suppose? Un champignon.
t'es pas serein là. Oh punaise, faut tracer. Je peux me poser sur cette créature? On va dire que oui. Ouais, vachement, ouais. J'ai mou... Oh là, attendez. Me poser dessus, pas sauter, poser. Elle a pas de pique. Ou alors faut que je le fasse pendant qu'elle est sur la lave. À côté. C'est à côté. Ah là là. Je dois sauter dessus pour prendre dessus. Oui, ça, ça j'avais capté, mais ce qui me dérangeait, c'est le fait qu'elle soit en mouvement. Danger là. Ah, raté. Ok, là on patiente. Là on lâche. Maintenant. On attend. Premier coup, easy. Elle monte là, là, là ou pas? Non. Ok, soit. Tudum, tudum. Mario time. Mario time. Bon, pour l'instant, les premiers niveaux se déroulent mieux que les premiers niveaux de la jungle Cassis. Hein. Faut dire ce qui est. Ascenseur pour Bowser. Ok. Monde niveau château plutôt. Petit Goomba. Oh punaise, ça monte. Je supposais que ça monte indéfiniment, hein? Sinon, c'est pas drôle. La réponse est oui. Je déteste les niveaux comme ça. Oh, le retour de ça. Et en plus, ça me compte le nombre de passagers. Ah, j'aime pas les contrôles comme ça. Quoi? Ok, d'accord. Les pièces comptent comme des passagers. Génial. Alors pour récupérer les grandes pièces là, bon courage. Ça, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, on n'a pas le choix. Allez, monte. Ok, les bonus comptent comme des passages. Eh, génial, des beaux bombes maintenant, sinon c'est pas drôle. Faut monter, faut monter. Pourquoi il y a un truc là? Pour la pièce, d'accord. Allez! C'est YR! Monte! Monte, pitié!
Oh. Oh. D'accord. Jusqu'à quand ? Ah, trop tard. Non, la bombe, casse-toi. Attention, sauter. Pièce. Oh punaise, pourquoi j'ai la fleur de glace ? YR. Monte ! Monte ! YR. Punaise ! C'était chaud, oui, mais en même temps la lave, c'est brûlant. Dommage, ouais. Et en fait, la fleur de glace m'handicape, je trouve. Ça aurait été préférable avec une fleur de feu. Comme ça, les bombes explosent plus vite. Bon, la pièce aux airs. Attends. Là, je vais être obligé de la prendre. Alors, le Goomba, c'est pas le moment, là. Oh là là. Mais c'est pas possible! Vous avez pas pris votre ticket, hein? Oh là là. En même temps. Allez, monte. C'est bon. Je suis obligé de la prendre en fait, parce que si je me fais toucher, au moins ça me fait un truc. Ce que je vais faire plutôt, c'est. Je vais rester comme ça. Comme ça, je saute comme ça. Je fais ça. Pouf! Voilà. Et là, c'est plus simple. Je laisse appuyer Y. Y, oui, c'est Y. Comme ça, au moins, je ne lance pas de boule de glace. En fait, ça, c'est la boule de glace qui m'embête. Tac. Tiens, mange. Danger, là. Y, R. Monte. Tant pis pour la pièce. Mais j'ai... Ok, la pièce, je vois ce qu'il faut faire. C'est bien viser la bombe. Mais ça va être hyper dur à l'attraper, en fait. Les pièces rouges, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas urgence. Et mince. Est-ce qu'on a un point de sauvegarde, un drapeau. Mais, sérieusement, sur ça? Je suis dégoûté. Complètement dégoûté. J'avoue, j'ai ri. Bah oui, je me doute, oui. Mais c'est moi, ça, de toute façon, sur tous les jeux... Il faut que je fasse une bêtise pareille. Sauvegarder, oui. Je vous le dis, hein, à force, les gens qui suivent le savent. Je suis maladroit, je n'ai pas de skill. Yakipon, il est meilleur que moi sur tout ça. Si vous voulez voir du beau jeu, faut en fait regarder les streams qu'a fait Yakipon sur Ivasand, regardez les VOD. Il est bon, lui. Wow! Mais ça bouge pas les os là? Alors la pièce, au revoir, merci.
Allez. Raté. Non! Je me défends sur la plateforme. Ah oui, complètement. Hein. Pause. J'ai speedrun. De l'eau, de suite, oui. Voilà. Petit bonus? Yes. Comme dans quasiment tous les Mario. Le bloc caché. Pfff. 600 secondes. Salut Bowser. Le monde n'est pas censé être si court. Easy. Comme à l'ancienne. À l'ancienne. Mais c'est pas fini. Ce serait trop simple. Ce serait vraiment trop simple. Qu'est-ce que je disais? Salut Kamek. Bon, par contre, j'aimerais bien un drapeau ou quelque chose, parce que s'il faut se retaper la phase d'avant et que je perds la fleur. Bonjour Peach. La princesse, elle est en haut d'une tour. Mario. Bingo. Giga Bowser ou Bowser squelette. Je sais plus. Ah! Il manquerait plus que Bowser se transforme en chat! LOL! Ah non, ça c'est un autre Mario. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il y a Junior en plus qui nous embête! Je sais pas si mes boules de feu lui font quelque chose en fait. Là pour le moment, je sais pas comment la voir. Casse-toi, Junior! En vrai, je sais pas du tout si les boules de feu. Mais sans boules de feu, comment on le tape en fait? Je vais pas lui sauter dessus. Faut aller. Oh punaise, faut aller de l'autre côté, c'est ça? Vas-y, saute. Cours! Oh punaise, d'accord, ok. Et maintenant? Et je fais quoi? Il y a Junior qui nous envoie des petites boules de feu. Mais ouais, mais je fais quoi? Je me souviens. Ah ok, d'accord. Tout simplement, vite. Non Junior, casse-toi. Aïe. Non. D'accord, ok. Danger là. Au secours. Ah mais le niveau il est pas infini. Bah non, bien sûr que non, c'est circulaire, je suis bête. Junior, t'es où?
où je suis. Elle est là. C'est pas le moment là. Allez, on prend ça, on refait la même. Salut. R. Ah ! Non ! Pardon, excuse-moi, je passe. Pardon, monsieur. Pardon. R. Danger ! Allez, cours ! Allez ! Wow ! Feu d'artifice. Je suis pas sûr qu'il en ait lancé autant en vrai. Hein. Autour de Junior. Punaise, touché. Ok, je suis en panique. Oh, oh, oh. Bon, c'est d'accord, c'est perdu. C'est perdu. Sauf si je fais ça, que je me speed. Ah, punaise. On va prendre, on va aller par là. Qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y, tombe. Quoi? Mais pourquoi? Pas grave. Dégoûté. Rendez-moi mon champignon. Merci. Tant pis pour la fleur. Par hasard, il n'y a pas un bonus à gauche. Ok. Ok. D'accord. Le bonbon explose au contact des boss. Ouais, ouais, mais je ne retiens pas tout. Ah mais il va falloir refaire cette phase là. Mais le truc c'est que c'est une fleur de glace là, c'est pas une fleur de feu. Comment je fais? Ah d'accord, va falloir que je gèle ces boules de feu je pense. Ah non. Comment je passe? Ok d'accord, j'ai compris. Vas-y saute, 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 saute. C'est pas grave. Ah je peux pas passer à travers. Saute. 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 Yes. Non c'est que l'arme. Allez bien. Non mais le temps à la limite c'est pas très très grave. Il y a 400 secondes, 500. En vrai les Mario sur le temps sont quand même assez permissifs. À part des niveaux speed, vraiment, mais là sur les boss. Bon, alors je suis tout petit, hein. Mario, youhou. Ah non, c'est direct. Okay. On aurait dit Wario là. Ah gros gros, je suis Bowser, je suis pas content, je suis gothique. Bon ça va, je passe en dessous. Non. Allez, Eden. Faut vraiment que je passe
la première phase en gardant la fleur en fait. Vraiment je fais pas ça. Bon, là ça sert à rien, je récupère les bonus de suite, donc ça sert à rien que je prenne quoi que ce soit dans ma liste, qui n'est pas intéressante en plus. Donc, alors, dans l'ordre, on peut taper là. Et ensuite taper à droite. Et là, je récupère une fleur de feu ? D'accord. C'est random ? On va y aller tranquillou, hein. Elle est comme tout à l'heure, le spam. Oh, je me fais toucher, sérieux? Oh non, allez, je vais perdre une vie sur ça. Voilà. Nouvelle tentative. Mais quel nul! Dégoûté quoi. Pardon, je passe. Allez, le feu d'artifice. Les bonbons de mal. En plein dedans. Non, à côté! Non! Punaise, sérieux.
rester essoufflé. Allez, 2-2. Je sais plus si c'est 3 ou 5 fois le grand Bowser géant là. Pour l'instant, ça a toujours été 3 fois les boss. En même temps, Mario 2D. Mais Bowser géant, je sais plus si c'est 3 ou 5. Ou plus. Mais non, j'aurais dû revenir en arrière. C'est pas grave. Quel dommage. Ouais. Bon, tentons de garder la fleur cette fois-ci. Là, la fleur ne me sert pas à grand chose, à part pouvoir prendre un coup en plus. Okay. En visant la nuque, ça passe. Saute. J'ai peur des extrémités du niveau à chaque fois, quoi. Ne pas bouger. Bouger. Attendre. On se fiche des bobombes. Là par contre, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Je peux passer de l'autre côté s'il vous plaît, ça me dérange là. Ouais, non. Bon, ouais, je meurs. Pas encore, mais je vais mourir. Salut. Non. Ah oui, donc la griffe va bien jusqu'au bout du niveau. Donc je peux attraper Bowser Jr. comme une carapace classique. D'accord. Ça, je ne savais pas. Hop là. Oui, alors non. Je vais faire ça en legit, j'ai pas envie que le niveau fasse tout pour moi.
Donc là, on essaye de faire comme juste avant. J'ai pas de vision sur les bob-bombes là. Fois c'est tout. J'ai peur qu'il y ait une phase 3 en vrai. Non, la musique est là. Mais j'ai plus ma fleur. Oh, Peach, la princesse. Bon, bah, l'histoire est terminée, du coup. Ah, il y a le... On a vu le truc violet derrière, là. GG, merci. Il y a plus de lave et tout. Carotin, c'est ça, merci. J'avais plus le nom en tête. Junior et ses comparses. Bah. Mauvaise idée. Ah, j'ai cru qu'il allait tomber. Ah bon, le bateau tombe. Mais non, je pensais qu'il allait sauter et que le bateau allait partir et que Bowser allait tomber à côté du bateau. En fait, non. Non mais, la guirlande quoi, la guirlande.
Allez, on fait tous la chorégraphie. Ah, j'ai raté. Bon. Ah, mais attendez, je peux bouger? Ah oui, je peux bouger! C'est un mini-jeu. Les crédits sont un mini-jeu. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des pièces? Il y a des Yoshi rouges. Rose. Rouge? Non. C'est quoi cette couleur? C'est rose. C'est magenta, voilà. Je sais pas si on peut avoir 100 pièces. Oh oui, quand même, il y a un chiffre à... Le record avec 4 zéros, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 999, voire 1000. 53. Sauter sur mes camarades de jeu, d'accord. Non, les pièces, j'ai raté. 3 pièces, 2, 4. C'est pas 9. Et 200. Youpi. Hop là. Sympa en fait de faire un mini-jeu comme ça. C'est pas habituel des Mario. On vise combien? 200? Mais sachant que j'ai raté le début, parce que le début je me suis amusé à taper dans les mains. 156, 160. Oh non, j'ai raté. On peut aller encore les avoir? Non. Je sais pas s'il y a une stratégie. Hop là. Tac. YOLO. On est sur les spéciales 5, les remerciements spéciaux. Est-ce que je peux atteindre 300? Shigeru Miyamoto, le voilà. Nintendo est l'auteur de ce logiciel, auteur du droit d'auteur. Au regard du droit d'auteur, tout droit réservé. 325. The End. Fin. Ou presque. Félicitations, vous avez terminé l'aventure. Une étoile a été ajoutée à votre fichier de sauvegarde. Vous pouvez désormais sauvegarder à tout moment. Et en plus de ça, vous pouvez maintenant accéder à une île mystère. Sautez dans un tuyau pour vous rendre là-bas. Empruntez les tuyaux pour rejoindre la route de l'étoile. Au fait, avez-vous trouvé toutes les pièces étoiles? Voilà à quoi sert le 100%, ça sert à accéder à... Votre aventure est terminée, mettre à jour le fichier de sauvegarde, oui. Ça sert à accéder à un monde supplémentaire. Alors déjà, je récupère ça. Hop là. Alors, on va pas faire le 100% aujourd'hui, ça c'est clair.
Alors, on va à l'île mystère. Je me souviens plus ce que c'est, l'île mystère. C'est une maison violette. Jack, 12121 YouTube. Hi. J'avoue, c'est choupi. Une maison avec plein de d'items. Lire. Adossé à la colline. J'avoue. Ah, c'est les stats. D'accord, ok. 8418 pièces, 62 pièces étoiles. Oh, j'ai eu 62 pièces étoiles quand même. 47 Goomba éliminés, c'est pas énorme. 338 objets obtenus. Lune, 3 up obtenus. 0. Ça, je pense, c'est quand on enchaîne la récolte de vie sur les ennemis. Des fois, ça fait 1 up, 1 up, 1 up, 1 up. Après, ça doit passer un 3 up, je pense. Compagnon soulevé. Ben, j'ai joué solo, donc 0. Charge au sol, synchro, pareil. Drapeau atteint, 74. Stage terminé avec Yoshi. Stage terminé avec bébé Yoshi. One up à l'arrivée. Feu d'artifice. Ovation. Ovation. J'ai pas fait gaffe à ça. Victoire contre Carotin, 1. Bah, en même temps, j'en ai fait qu'une seule parce que je trouve pas ça intéressant, Carotin. C'est que mon avis, mais... Bon. New Super Mario Bros. U Deluxe Crédit. Oh d'accord, je viens de comprendre. En fait, les crédits juste avant, c'est les crédits du jeu, voilà. Et là, ce sont les crédits liés à la version U Deluxe. Donc sur la version de la Switch. D'accord. Enfin, je pense. Hein. Donc la maison mystère, ce sont ces stats et des crédits. Maintenant, on va jeter un œil, juste un œil, parce que on peut pas y accéder normalement. La route de l'étoile, j'ai pas toutes les pièces, donc on va pas pouvoir faire des niveaux de toute façon. Ouf. Et là, vraiment, on est sur du Super Mario World référence. Ça, c'est tous les niveaux, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, il y en a 8 au total. Route de l'étoile 1, balade en Serpentos, oh génial. Vous trouvez toutes les pièces étoiles de la plaine du Grand Chêne pour débloquer ce stage. Voilà, bon, au moins on a la réponse. Il faut trouver toutes les pièces étoiles par monde pour débloquer, du coup... chaque niveau de l'étoile, on a la réponse. Bon, je reviens dans un... Je sais pas, je reviens à la plaine du Grand Chêne. Allez. Youhou ! On sauvegarde. Voilà, pour cette aventure New Super Mario Bros. U Deluxe qui s'arrête là, en tout cas sur l'histoire. Peut-être qu'à la rentrée, on ira s'aventurer sur toutes les pièces. Il y a de grandes chances en vrai, à confirmer, mais bon, on verra. Du thé pour fêter cette victoire. Je vais plutôt partir sur un café, je t'avoue. YouTube, cordialement bisous. Même si pour vous, ça changera rien, YouTube, parce qu'en fait, la vidéo sort fin août. Twitch, vous restez là. Je fais une pause. Et on va passer sur Pokémon Unite, comme ce qui était prévu à la base. Sur de la ranked. Petite pause. À de suite.